Attention, les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Les bonnes sont 13,51 à vous tous de la part de Dundee 33. Attention, les stations en fréquence pour Dundee 33 qui lance appel pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Oui, les 73 à toi, 14 Foxtrot Bravo 17, de la part de 14 km 3301, opérateur Rémi, Dundee 33. Bonjour Rémi, comment vas-tu? Ça va impeccable, toi là, on commence juste. Tout à l'heure, il y a un quart d'heure, j'ai entendu Angèle, mais c'était très 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 QRP là de mon côté. Vu son QTH, bon, ben, c'est un petit peu normal. Hein. Il est, par rapport à moi, il est de l'autre côté dans le trou, là, dans le bas, Lormont-Senon, là, de ce côté-là. Donc évidemment, ça ne peut pas passer de ce côté-ci. C'est tout ce que j'ai entendu, là. Ah ok, d'accord. Ben non, je n'ai pas entendu, là. Tu vois, j'ai allumé la radio et j'ai lancé l'appel. Donc il y a 30 secondes que je viens d'allumer le poste, donc voilà. 14 Victor Alco 27, Eric se signale. Et je reviens dans 5 minutes. Hachi 3 coups, bon retour pour tout à l'heure. Alors, du coup, t'es sur Marraine ou Rochefort, Rémi? Attends, pas encore, demain. On est quoi là? On est samedi, oui, demain. C'est, je prends la route demain pour aller de ce côté-là, quoi. Alors, demain midi, on va se taper un petit resto là, à Boursefranc-le-Chapu, là, le terminus. Après, on va avoir un petit peu de temps libre. Puis après, ensuite, on montera sur Rochefort. On a quelques trucs à faire là, de ce côté-là. Ok, d'accord, je suis en train de tester mon filtre en même temps là. Ok, bah, c'est sympa ça. Par contre, ah oui, non, c'est. Zut, la météo demain, c'est quoi déjà? Si, je crois que ça va encore demain. Donc, c'est. Non, c'est lundi que ça se gâte. Hein. Ouais, c'est à partir de la semaine prochaine que ça commence à envier un petit peu dégueulasse. Ouais. Ah, ça me fait chier parce qu'en plus, lundi, là, je vais être dehors. Ce coup-ci, je serai au pro en journée, à Hachi, et qu'en extérieur en plus. Ah oui, ouais, effectivement, pas de bol là. Moi, ben, non, ben, lundi, je serai à la maison, ben, s'il ne pleut pas, je bricolerai comme d'habitude. Après, si ça bouille, ben, tant pis, on sera à l'intérieur, on fera de la radio, hein, très présent, hein, ça sera toujours très intéressant également. Ah oui, affirmatif. Au fait, t'étais en écoute là hier soir, il y a eu un petit passage là de propague. Je sais pas, ça venait du sud, je crois, de ce côté-là. Non, du tout, hier j'étais au pro, donc j'ai pas la possibilité de nous mettre en fréquence. Je suis entre des grands bâtiments là, donc des bâtiments qui font une vingtaine de mètres de haut, donc je suis à l'hôpital en gros. Et donc là où est la voiture, j'ai pas possibilité de me mettre en fréquence, je reçois rien du tout, et puis pour émettre, c'est mettre à la panne non plus. Ouais, non, c'est de ma faute, j'avais zappé là, la seconde. J'avais complètement zappé que t'étais au pro. Ouais, là, alors c'était vers le. Attends, vers quelle heure je suis revenu, moi vers les 21h30 ou 35, dans ces environs-là, je sais plus. Là, je suis à mon retour, je suis passé comme ça vite fait la voiture, j'ai allumé le poste, et c'est là que j'ai entendu qu'il y avait un peu de propague. Et ben tiens, justement, hier, là, j'ai fait une vidéo, je l'ai complétée avec ça. Donc là, tu l'entendras dedans, là, dans la deuxième partie.
Bah oui, effectivement, je l'ai entendu. Ouais, enregistré le break. Je l'ai entendu, ouais, le petit QSO à la fin de la vidéo, exactement. Attends le break. Oui, on a le break avec les bonnes 73. Oui, 73, 14 Victor Echo 27, opérateur Eric qui signale. Il y a une autre station aussi, mais qui est complètement décalée, parce qu'on ne comprend rien derrière, là, qui s'est signalé. Donc 73 Rémi, 73 Bravo 17. Et puis, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui me dira ça, Rémi. Je te retourne au micro, puis tu le feras rentrer le break. Alors oui, tu as 14 Foxtrot Bravo 17, la Charente-Maritime, là, qui est avec nous. Et la station que tu as entendue, ben, je suis désolé, mais de mon côté, là, j'ai rien senti, j'ai rien entendu. Là, j'ai pas du tout entendu de mon côté. Retour de micro sur 14 Foxtrot Bravo 17. La station 14 Echo Victor 27 ou 17, je crois. Moi, je te reçois très bien, pas de soucis. Je ne sais pas si tu m'entends correctement, toi. Oui, je te copie. C'est Frédéric, c'est ça, non? Oui, tout à fait, c'est ça, Frédéric. Ok, Frédéric, oui, on a eu l'occasion de faire un petit contact. Oui. On a discuté, on a le carton en commun qu'on connaissait, voilà. Voilà. Avec la permission du groupe, je vais faire entrer le break. La station derrière qui s'est manifestée en avant. Hélas, j'ai joué avec les filtres, ceci, cela, je les ai enlevés, je les ai remis, rien de mon côté là. Ah, c'est bien dommage, vu que c'est lui en plus, les 73 sections, si tu arrives à m'entendre. Tu l'as copié, Saxon, Rémi là ? C'est petit, assis un petit peu. Ouais, moi tu m'arrives à 9-6-5, mais alors la radio elle est pas franchement bonne. Hein. C'est aigu et criard. Hein. Un petit peu. Il y a beaucoup mieux, il n'y a pas de souci, voilà. Ok. Mais retour à toi, Frédéric, si tu m'entends. Ouais, Frédéric, tu reprends le micro, pardon. Non, du tout, je n'entends pas du tout la station. Malheureusement, c'est pareil, un peu comme Rémi, j'ai essayé tous les filtres protégés sur le poste et non, je n'ai rien du tout de son côté. Bah, ok, mais c'est du négatif aussi. La station, Frédéric, oui, se trouve du côté de la charge. Donc c'est pas évident, cette chance va être difficile, voilà. Ok Rémi, écoute, je vais te retourner le micro et puis j'espère qu'à passer une bonne semaine. Oui, affirmatif, avec pas mal de news, avec quelques news calendrier. Et oh oui, alors 1, 2, 3, 4, 5, ouais, j'ai 5-6 news. Ok, mais moi j'en ai qu'une seule, ça ira plus vite pour demain, je ne sais pas si vous avez un micro sur internet, il y a Rudy qui active du côté des Pyrénées, voilà, il active sur un HF, un UHF sur le 446-093-75 sur le PMR fréquence 8, et en même temps
sur le 27-585, donc à partir du midi, il sera sur le Monté, c'est une montagne apparemment qui se trouve à 1400 quelques mètres du côté du Pyrénées, voilà. Donc je passe l'info et c'est à partir du midi demain, voilà. Ok, ben tu vois, cette info-là m'a échappé, chie trois coups, puisque je l'ai pas au calendrier. Bon, en tout cas, là, c'est dans la boîte, de mon côté, il n'y a pas de problème, c'est enregistré. Ok, eh ben, je suis bien content de l'apprendre, parce que c'est vrai que là, c'est... Il l'a mis quand, cette info-là, assez rapidement, là, j'imagine. Là, je veux dire par là, il y a juste là, ces jours-ci, là, peut-être même aujourd'hui, non? Ça fait quelques jours qu'il a mis, c'est Rudy, FDX, Rudy, celui qui active sur les PMR en général du côté de Philippe-Pyrénées, qui fait pas mal d'activation. Et c'est sur le site de Facebook, hein, voilà, il a mis l'info, donc voilà, c'est à partir de demain aux alentours de midi, donc je répète la fréquence, en 27585 à midi, sur Bravo, donc pour la TV. Et puis le 446-093-75, canal 8 du PMR à Madame Gic, voilà. Voilà. Il aurait mis au fait, j'ai vu que tu t'es équipé, c'est bien, avec le petit pocket. Ah, je suis grillé. Alors, attends que je le mette là devant la caméra. Le TYT. Voilà, c'est le. Je sais plus son numéro déjà. C'est le. Attends, j'ai ça quelque part. Zeta. Enfin bon, bref, t'as vu la photo de toute façon là sur internet. C'est le. Alors, TYT MD 380 VHF. Affirmatif, ici le numérique et l'analogique, c'est bien. Mais là, il faut voir le programmer. Oui, ben justement, là, j'ai envoyé un email à. Ah zut. Zut. Je crois qu'il est sur Bègle ou je sais plus de ce côté-là. Hein. Pour qu'il m'envoie là, son fichier de configuration, parce que alors là je patouche de Asmoon, mais complet quoi. C'est pas compliqué, je l'ai depuis le 28, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Ben, pour l'instant je lui fais travailler la batterie là dans Xtreme, histoire qu'elle soit vraiment optimale, et puis c'est tout, Hachi. Ouais, si je compte et je trompe, c'est à Yannick, il est sur résine. Yannick, voilà c'est ça, oui c'est lui, hier je l'ai confondu avec Fred, 14FDX 088 de mémoire, j'ai complètement confondu avec lui alors que c'est Yannick que j'ai essayé d'avoir en fréquence. Ouais, 100% c'est Yannick, il n'y a pas de souci. Ok, allez, un retour sur Frédéric, à toi. Ouais, Fred qui reprend. Bon, ben, pas grand-chose de mon côté, hein. Ouais, c'est pareil, j'ai vu que tu étais équipé du TYT. Je pense que c'est un poste que je vais me prendre dans les prochains temps, je ne sais pas quand exactement, mais ouais, je vais passer sur du DMR aussi. Je suis assez actif en PMR, à la maison ou même en mobile, j'ai toujours mon petit pocket sur moi, en général. Donc quand je vais au pro ou des trucs comme ça, là, j'essaie de l'avoir, j'essaie de faire quelques activations. Quand j'ai 5 minutes au pro, là, je monte sur le toit du bazar et j'essaie de lancer quelques appels, mais voilà, c'est pas... C'est... Je me fructueux. La journée, bah, si, j'ai des chasseurs. Voilà. J'ai des coups de fusil, docteur, et puis voilà, des trucs comme ça, quoi. Ok, t'as la chance, parce que moi, là, ici, j'ai rien du tout, hein. Si je veux entendre du monde, il faut que je descende sur Bordeaux, hein. C'est clair, net et précis, là, comme ça. Aéroturique. Ouais, affirmatif. Non, mais t'as la logique, oui, j'ai entendu qu'il disait, vous avez réussi à avoir Siri, ouais. Mais dans la chance, parce que nous, avec Bordeaux, le mois, ça passe pas.
Il arrive à discuter avec Yannick, même en numérique. Mais moi, je dépasse, il semble qu'il y a un passage, je dois quelque chose, en analogique ou en numérique, ça ne passe pas. Même avec sa directive, il y a un blocage, je ne sais pas. Il y a un obstacle devant ou par là, et je ne sais pas. Mais c'est comme ça, c'est le problème de la chasse, c'est le début de la chasse. Hein. Ouais. Non, mais tu vas voir que tu vas en être content, l'un des 380, très bon matériel en hein, pocket. Ouais. Tu vas voir la différence entre l'analogique et le numérique. La qualité de la radio n'a plus rien à voir, René. Ça n'a pas un peu de tirer, voilà. C'est du téléphone, voilà. Allez, je retourne sur Faction, si je parle à toi, Faction. J'aime pas le téléphone. C'est lui derrière. Alors c'est du décortiquage. Hein. Ouais, oui, c'est vrai que c'est pas lui là. Tu vois comment on est placé sur la radio. Ouais. On n'a pas trop le choix des fois. Ok. Voilà, mais j'ai laissé un petit blanc des fois où il y a quelqu'un derrière qui veut rentrer pour le téléphone national. Allez-y, c'est le moment. Voilà, 73, l'opérateur Doudou, 14 CAT 307, sur sa main, 73 à tous. Salut mon petit Doudou, 73, les bonnes invités, j'espère que tu vas bien, voilà. Donc je suis en compagnie de Rémi, de 533, si tu dois entendre, qui est pas très loin de toi, et puis de Frédéric, qui est du côté de la Charente, voilà. Allez, retour Rémi. Les 73, mon ami Doudou, comment tu vas? Ah, eh ben 73, mon chéri, eh ben ça passe très très bien ce soir là. Ouais, de mon côté, c'est. Ouais, c'est du sec. Attends que je mette mes. Ah, zut, mes yeux, hachis. Ouais, c'est quasiment du 53 là de mon côté, 54-53. Ok, ça rentre, j'ai entendu là, ça rentre là. 73 ouais, à peine. 73 de dos. Tu t'as répondu, de dos. Ouais, je me demandais s'il me répondait à moi ou à Rémi, là. Ma 73, par rapport de dos, là. Retour. Ok, bah, j'ai entendu le bip, c'est tout ce que j'ai entendu, là. Attends, Rémi. Et 73 Angèle. Ouais, salut Angèle. Attends, deux secondes. 73, la station, loin là, derrière là.
papier, Eric. Attends deux secondes, il y a encore un autre derrière. Ce serait pas Ludovic? Ah, j'ai pas entendu l'opérateur derrière, là. C'est, ça passe, mais j'ai pas entendu, là. Ah, zut. C'est que ça... Et ce serait pas Leclerc 4? Attends, deux secondes. La station Fred, là, tu peux donner ton QTA, s'il te plaît, là? Ah, j'ai pas. Oscar quoi? Ce serait pas Leclerc 4? Hop là. Qu'est-ce qui est passé là? Je ne l'entends pas. Hein. Oscar, Roméo, Echo, après j'ai pas besoin, j'arrive pas à entendre. Alors Sierra, Oscar, Roméo, Echo. Sierra, Oscar, Roméo, Echo. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est tour, c'est ça, tour. Putain, il y a que moi qui l'entends ou c'est... Comment ça se passe, là? Ah, on voit que t'as du super matériel, hein, Doudou, hein, parce que là, tu es le seul à l'entendre. Ouais, Doudou. Ouais, c'est... Je suis désolé, j'ai le seul à t'entendre. Alors, c'est très compliqué, mon côté, là. J'arrive à sortir de 2-3 mots, mais c'est compliqué de mon côté, là. Encore. Doudou. Je vais tomber, parce que sinon, on va pas faire du CSO, hein. Donc, on va retourner sur Angèle, il fera tourner. Voilà, un peu Angèle. Ok, oui, de ce côté-là, sur les Landes, on connaît Fred, c'est-à-dire le Leclerc 4.
Voilà, et peut-être que c'est lui justement qui est en train d'essayer là de nous avoir en fréquence. Bah, je ne sais pas, mais il n'y a que Loulou qui l'entend, donc ça va être difficile de faire un QSO avec un autos. Il n'y a que Loulou qui l'entend, hein. Ça va pas être évident. Hein. Allez, retour sur Frédéric, la 40. Ouais, je confirme, moi c'est pareil de mon côté, là, l'opérateur Fred, là, je pense aussi. Moi c'est pareil, hein, j'ai rien du tout de mon côté, hein. Retour Rémi. C'est pour Rémi ou je n'ai pas compris? Retour Eric, et j'aurai des news après à balancer. Vas-y, profite-en, sans que t'as le micro, Rémi. Ok, ben je sais pas trop. Hachi. Alors, ce week-end, alors il y a Radio Phil Expo qui se trouve dans l'Isère, à Chervieux Chevagneux, département 38. Il y a le salon Navexpo 2019 avec Ecom France au port Lorient, département 56. Il y a le 35e ASFER 2019 qui se trouve à Laval, Québec. Il y a, alors là, c'est là où il y en a qui vont sortir leur vieux matériel, leur vieux décamétrique à lampe et tout ce qui s'ensuit. Ce week-end, c'est la nuit de l'AM, voilà, sur les fréquences radioamateurs. Et il y a aussi la journée rencontre radioamateur à Granville, département 50. Voilà, là j'ai tout balancé. Et c'est vrai que pour la nuit de l'AM, ça m'intéresse. Si seulement ce soir je devais me décaler pour le pro demain, ce qui n'est pas le cas, mais bon, c'est pas grave. J'aurais bien été tenté là d'aller faire un petit peu les grandes oreilles là du côté justement là sur les fréquences radio amateurs, parce que là ça donne un cœur joie à chaque fois là quand c'est la nuit de l'AM. Sur les bandes radio-amateurs pour les écouter, donc voilà, voilà. Et bien, retour Saxon, allez, à toi. Ah, s'il est là. Ouais, ce sont très Angèle, c'est très très QRP là de mon côté. J'ai beau avoir les filtres enclenchés et tout ce qui s'ensuit, là ce soir j'ai vraiment du mal à te sortir, hein, Angèle. Ouais, il t'entend pas, Rémi, Angèle, voilà. Non, il a du mal. Ouais, il tente, Angèle, Rémi t'entend, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Pour info. Allez, Dodo, à toi. Ok, la Eric là, bah, 73 déjà, Angèle, là. 73, opérateur Dodo, là. Et ouais, ouais, apparemment Rémi s'entend, mais toi tu l'entends pas, c'est ça, un peu comme ça là. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la propagation. En tout cas, moi j'arrive à entendre Angèle, Dundee, Eric. Par contre, l'autre station derrière, je l'entends pas non plus là.
Ouais, c'est après le rythme sur la charge maritime et puis Fred sur Vladimir. Voilà, le temps de micro, je vais redonner, relire l'info pour demain, pour ceux que ça intéresse, donc qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc demain à partir du midi, il y a une activation depuis les Pyrénées. Donc c'est Rudy, j'ai une petite indicatif, c'est Rudy FDX, je ne sais plus quoi, son indicatif, qui va être sur une montagne du côté de. Ça s'appelle le Monté, la montagne, le Monté, et il active. Sur le 27585 en USB à partir de midi et sur le PMR le 446 la fréquence numéro 8, le PMR 8, le 446-093-75. Donc à partir de midi aussi. Donc les personnes intéressées, voilà, vous avez l'information. Ah nickel, ça, nickel Rémi. Merci Eric. Voilà, retour à vie. Ok, merci pour le pour rappeler l'activation. Ah ouais, là c'est dommage que je peux pas être partout, archi trois coups. Pour ma part, demain je m'en vais sur la Charente-Maritime, du côté de Rochefort, de ce côté-là. On a un truc à faire de ce côté-là, mais bon, c'est pas grave. Si j'ai l'occasion, je sais pas, après le gastro de me mettre en fréquence, ben j'y manquerai pas. Écoutez, il n'y a pas de soucis, monsieur. Profitez-en, hein, parce que moi, le premier, il serait. Hein. Donc, c'est à partir de midi, aux alentours de midi. Voilà, c'est ce qu'ils ont mis sur le site. Jusqu'à après telle heure, je pense que, pas trop tard, je pense que vers 16-17h, après, je pense que ça finit. Parce que s'ils montent à 1400 mètres d'altitude, après, il faut faire qu'ils rentrent le matériel. Voilà. Allez, à toi, Frédéric, la Charente. Oui, effectivement, ouais, j'avais vu cette activation passer aussi là sur je sais plus trop où d'ailleurs. Et ouais, faut que j'essaie de me mettre en fréquence aussi, ouais. Je sais pas si je serai sur la route ou pas. Et si je suis au QRA, ouais, je me mettrai en fréquence sur le PMR et sur la HF également, ça peut être sympathique. Après, s'il n'y a pas vraiment de propague et les Pyrénées, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais bon, rien n'est impossible, hein, on va voir. Voilà, l'info était sur Facebook pour les personnes intéressées, voilà. Ouais, en plus, ouais, ça a été partagé en plus sur le groupe La Planète Sibi Francophone. Sauf que ben, je n'ai pas chopé l'info à temps pour la mettre sur le forum. Hachis trois coups. Là, vous avez été deux à parler ensemble. Oui, retour 14, 7, 17. Oui, 14, je crois que Barreau, bravo 17. Je crois que c'est toi qui avais repris le micro à l'instant. Oui, c'est possible. Je pense qu'on a été deux à le reprendre, donc bon, ben, peu importe. Moi, je disais, ouais, c'est sur Facebook que j'avais eu l'info passée là, pour l'activation, donc à voir hein, si jamais ça passe jusque chez nous, hein, ouais, sur les Pyrénées, j'en doute un petit peu. Mais bon, si la propague veut jouer le jeu, peut-être qu'il y a moyen de rigoler un peu. Ouais, affirmatif. Attends, j'entends quelqu'un à très QRP derrière. Ok, je pense que le 88, Isabelle, avec la permission de l'Angèle. On a l'YL qui vient nous adresser un petit peu du temps de micro. Donc, messieurs, on va lui laisser la parole. Allez, Isabelle, à toi. Il s'appelle l'opérateur du coup, là, il s'entend. Un peu sur deux, mais ça passe quand même.
Zouzou. Oui. Il y a Angèle, il veut te repasser le micro. Ah, excuse-moi, Angèle, excuse-moi, j'ai pas entendu là. Merci du retour là. Ouais, j'ai envoyé les 88 là, Isabelle là. J'entends un mot sur lui, mais normalement ça passe bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais là, c'est très compliqué de mon côté là. Retour, Isabelle. Le quoi? Camaille, Camaille. Le parc Oscar, c'est tout ça là. Ok, je laissais Doudou terminer de parler. Les 88, Isabelle, ouais, de la part de Dindy 33 sur Sainte-Colombe, à côté de Castillon-la-Bataille. Alors Isabelle, c'est les 88 de Rémy qui est à Sainte-Colombe, à côté de Castillon-la-Bataille. Ah, c'est compliqué là. Merci, tout ça renouvelé. Bon, Ludovic, est-ce que tu fais la grève encore de la fin ou la grève de la pizza? Monsieur Pizza n'est pas encore passé, donc il ne peut pas être en fréquence. Hachis trois coups. J'ai pas de nouvelles, je ne sais pas s'il a terminé ses travaux ou pas. Ben attends, je vais te dire ça dans quelques secondes. Manil, il a l'air. Donc alors, non, il n'a pas fini les travaux. Ok, ok, ok. Bon, mais aussi va, les doudous, c'est pas ton rêve. Ah bah bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Non mais tu veux dire, rien de plus, hein. Sympathique, la sécurité, bon, il y a des stations loin qu'on n'entend pas bien, mais bon, c'est comme ça. Hein. J'entends à peu près tout le monde. Bah pas dans mais dans bonnes conditions, mais ça passe quand même. Hein. On va pas se plaindre. Là. Allez, retour Angèle. Merci pour l'info, ouais, je pense que ouais, on va se le marquer, il ne faut pas oublier. Ouais, ok, pas de soucis. Ok Angèle, du coup c'est CPTRC, je vous envoie les meilleurs chiffres, la bonne soirée. Et la bonne vie, 88 à Isabelle, et puis je vous dis à l'année prochaine, voilà. Allez, 73, Angèle, là. Les amitiés à tout le monde, là, et puis à bientôt en fréquence, là. Et 73, Angèle. Allez, à plus dans le but, Angèle. Pour info, Angèle passe un petit RT à Isabelle, voilà.
Ok, Eric, salut Angèle, bonne soirée. Ciao. 88, c'est pour 44 à vous deux. Bon, petit Rémi, donc, qu'est-ce que tu nous racontes de plus? Ben, là, pas grand-chose, je vais balancer toutes les news. Demain, je serai pas là pour le QSO du dimanche matin, à Chy. J'ai hâte que... Oh, ça y est, j'ai zappé encore son prénom. Que l'OM là, m'envoie là, le fichier là, qui m'explique un petit peu comment configurer là, le TYT. Parce que alors là, je n'y comprends que dalle. J'ai le cordon, j'ai le CD avec, j'ai exploré un peu le CD. Il y a des trucs de tous les côtés, des fichiers de tous les côtés dedans. J'ai aucune idée de ce qu'il faut prendre, de ce qu'il faut installer, de ce qu'il faut faire. Là, je suis complètement paumé là-dedans, mais c'est pas grave. Du moment que le Pocket soit prêt pour ma reine cet été, c'est bon, ça me laisse de la marge. Il va t'envoyer le code plug qu'on appelle, c'est ça le code plug. Je sais pas, sur le fichier où il a mis les fréquences et tout dedans pour pouvoir utiliser. Parce que toi, le truc, moi j'étais habitué là au PUC 5 777 là, que j'avais, où tu naviguais dessus comme sur de la même façon que tu navigues sur un simple scanner, quoi. Donc je pouvais balayer sur les fréquences, ceci, cela, ok. Alors que là, c'est pas compliqué, je l'allume, je suis directement sur les mémoires, et pour l'instant, j'ai pas trouvé comment balayer sur les fréquences. Déjà, il faut que tu installes ton pilote pour ton cordon USB. Il faut que tu installes le programme dans ton ordinateur, le programme qui va te servir à programmer ton petit pocket. Tu mets le pilote USB du cordon, et à partir de là, il va falloir que tu rentres dans le programme pour installer le code plus avec toutes les... qui va te donner Yannick pour... on t'aura tout le programmé dessus. Il faudra que tu le rentres à l'intérieur, et puis après, tu seras réglé l'office. Ouais, d'accord. Puis en plus, là, je vois dessus, il y a marqué zone 1. Je sais pas à quoi ça correspond. Le dernier coup que je l'ai eu, comment il s'appelle, Fabrice, non, je sais plus, que je l'ai eu, il me parlait de code couleur, de ceci, de cela, pour la partie là des PMR. J'avoue que là je suis complètement à l'ouest de ce côté là. L'analogique c'est quand même pas mal, hein. C'est nettement plus simple à utiliser. Hachis trois coups. C'est plus compliqué à programmer, ouais. Comme tu dis, t'as les codes couleurs, t'as plein de choses à programmer, et des fois ça tient un petit prix pour pas que ça fonctionne. Ouais. Mais bon, là ce qu'il va t'envoyer, si t'arrives à le rentrer à l'intérieur, t'auras plus rien à s'occuper, hein. Tu pourras se programmer tout seul. Hein. Voilà. A bientôt, Doudou. Ok, merci mon petit Eric là. Ouais, ça va venir tout seul, Rémi là. Au niveau du PMR, il n'y a pas de souci là. J'ai vu là, ta photo là, sur Facebook là. Ouais, ça m'a l'air d'être un beau petit PMR là, ce qu'il nous a pris là. Avec ça, tu vas faire des contacts et des belles vidéos là. Retour, Rémi. Alors, c'est pas du tout un PMR, hein. Non, c'est un Pocket VHF, UHF, hein. C'est ce qui a rien à voir avec un PMR. Maintenant, dessus, oui, je peux aller sur les fréquences PMR, hein. Il les couvre avec. Ça s'appelle un PMR, ça fait l'analogique et le numérique. Oui, c'est ce qui est marqué sur la boîte, affirmatif, c'est bien ça. Oui, mais c'est ça, en plus ça fait vivable. Ça ressemble au petit pocket de comme le Baofen, hein. Ça ressemble à ça, sauf que le Baofen ne fait que l'analogique, et là tu vas faire l'analogique et le numérique. Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce que là, d'ailleurs, là, je vois là, apparemment d'usine, il y a 5 fréquences de mis en mémoire en VHF, 5 en UHF. Alors, ça me donne 4 fréquences DMR, une fréquence analogique en VHF, et pareil en UHF.
Et là, dans l'immédiat, ouais, c'est vrai qu'en attendant qu'il me passe le fichier de configuration, ce qui m'aurait intéressé, c'était de pouvoir scanner en VHF et en UHF. Mais pour ça, il faudrait que je puisse sortir des mémoires. Et rien que ça, déjà, tu vois, là, apparemment, il faut le bac plus hein, pour y arriver. Hachi. Enregistré, oui, j'ai entendu le bref, oui. Ouais, pour finir, Rémi, tu auras avec cet appareil, tu vas avoir 8 fréquences en DMR, c'est-à-dire en numérique, 8 fréquences autorisées, plus une, ce qui s'appelle le DMR physique, c'est la fréquence d'appel, et après, tu auras aussi les 8 autres fréquences du DMR de l'analogique, de 1 à 8, voilà. Et après, tu peux te mettre autre chose, tu peux te rentrer dans les relais, j'ai dû écouter les relais radioamateurs, les fréquences de la marine, tu peux écouter plein de choses, et voilà. Doudou, t'as entendu du monde, mais vas-y, c'est rentré. Ok, allez-y, le break. Ah bah non, il y avait du monde, il y avait le retour du tout qui fonctionnait, là, mais bon. Allez, retour avec toi. Ouais, retour sur Frédéric, là, qui, du côté de la Charente, toi, comment va? Ouais, merci. Tout est une question de programmation. Une fois que tu auras le fichier téléchargé directement sur ton ordinateur, hein, ça sera vite réglé. Hein. Tu exportes dans le poste et puis en avant la musique, hein, tu n'auras plus qu'à te balader après dedans, choisir la fréquence que tu veux, puis en avant, hein, c'est un peu comme les DMR, enfin pas les DMR classiques, mais les VHF classiques où tu rentres tes fréquences soit via l'ordinateur, soit via le poste, et puis après tu envoies. Hein. Ça reste relativement assez simple au niveau programmation, il suffit que tu connaisses un petit peu le logiciel, que tu arrives à comprendre comment le logiciel fonctionne. Moi, au début, quand j'avais voulu programmer mon Baofeng, quand j'ai vu le logiciel, j'ai dit putain, c'est quoi ce machin? Et puis bon, au bout de 10 minutes, tu comprends vite le système et puis ça va comme ça. Hein. C'est exactement ça, sauf que j'ai pas encore testé, j'ai pas encore installé le logiciel là sur mon autre PC. Et là, c'est vrai que bon, ok, pour la partie programmation des mémoires et tout ça, là pour en analogique et en numérique, ça ok, d'accord. Mais là où je comprends pas là, on va dire à la minute. C'est pourquoi j'ai pas trouvé comment arriver, ne serait-ce qu'à balayer les fréquences. C'est le j'aurais envie de dire que c'est le truc de base avant de commencer à programmer un truc comme ça. Là, rechercher, scanner quoi. Voilà, scanner les fréquences. Mais rien que ça déjà là, c'est pas évident quoi. Tu pourras pas le faire parce qu'il n'est pas programmé. Tu pourras pas balayer. Ah d'accord, ok, il faut quand même... Oh d'accord, ben, tu vois, là, c'est vrai que là sur le PIC 5 là, que j'ai vendu, là c'était quand même plus simple que ça là, à ce niveau-là. Je pouvais scanner les fréquences comme je voulais et mettre facilement en mémoire. Et là, il faut d'abord passer par la programmation pour ensuite pouvoir... Bon, de toute façon, j'ai le manuel français. Bon, c'est pas le manuel de TYT, mais bon, ça revient exactement au même. De toute façon, c'est le même modèle. Allez, tu vas. Ah, c'est pas petit qu'il y a fait du bruit derrière. Il y a une station derrière, mais c'est compliqué la station là derrière. Ouais, tu reprends. Moi, je vais pas faire plus long, moi, pour ce soir, messieurs. Donc, Zulu 73, Saxon 33, et t'envoies les meilleurs chiffres aussi. Les meilleurs chiffres, que j'oublie personne, Frédéric, du côté de la Charente, Bravo 17, les bons chiffres. Les amis Thierry, et je crois que la plus personne, Angèle, est tout seul parti, et que j'oublie personne, je crois. 73 aux écouteurs. C'était 14 Victor Eco 27. Eric qui passe en QRT, qui vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end. Pour ceux que je ne recopierai pas. Voilà, allez, retour, Rémi, tu vas tomber.
Ok, je crois que c'est à moi, je sais plus. Ok, ouais, tu vois le manuel de français que j'ai, c'est le manuel du Retevis RT3, qui revient de toute façon la même chose que le TYT. Les 73, Eric, content de t'avoir eu en fréquence. Retour sur 14 Foxtrot Bravo 17, si je n'écorche pas l'indicatif. Ah, c'est bien ça, Rémi, Foxtrot Bravo 17, c'est exact. Mais écoute, 73 Eric, je crois, bonne soirée à toi, mais moi c'est pareil, je ne vais pas me faire plus long, je vais vaquer à d'autres occupations également. Bonne soirée à tout le monde, bonne suite pour le QSO de ce soir, et puis une prochaine fois sur les fréquences. Eh ben, ça tombe bien parce que, tiens, voilà, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil. C'est pour ça que là, je cherche mes mots, là, depuis tout à l'heure. C'est, je suis un peu à l'ouest, là. Le temps de rentrer ce matin du pro et tout, dormir un petit peu. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu coton, là, un petit peu difficile pour moi. Là. Ok, mais moi, c'est pareil. Les 23h51 à tous et bon contact pour demain. Merci à tous pour le QSO. Bye bye. Saxon, ça doit être. Saxon ou Fred. Je sais pas si il y en a un ou deux, si j'entends Rémi ou Eric là. Moi ça passe. Hein. Mais alors, c'est très aigu, c'est décalé de mon côté là. C'est soit Saxon, soit Fred, mais ça passe pas du tout hein, de mon côté. J'ai rien qui m'arrive. Hein. Allez, merci pour le QSO, bye bye. Ok, salut Rémi, 73, mon Rémi, écoute à demain matin. Encore un tour de plus. J'ai bien entendu Eric de Saint-Côté. J'ai entendu aussi Manu. Ah, c'est la nuit de la M. Et Christophe m'avait envoyé un petit mail rapide. Je vous écoutais à partir du SDR. Ce tour donc en Suisse. Voilà, puisque celui de Turin n'est pas accessible. Allez, je ne fais pas plus long, Christophe, je te repasse le micro. Un APJ pour tout QSO, ici Foxtrot 5, Mike Alpha Foxtrot. Ah, alors, Daniel, 5OXR, reprends le micro, tu es en train de passer à 6 CDX, parce qu'on va rattaquer la liste dans le début. Oui, il n'y avait pas de soucis. Canada Delta X-Ray. Je vois que Christophe a repris le flambeau de manière cuéro, tout à fait élevé. Le prénom est Jean-Pierre, qui est à 50 km au sud de Limoges de la Coquille. Je transmets avec actuellement F6DX et la grande Delta Lourdes de 160 km de périmètre. Voilà, vas-y Christophe, poursuis. Et moi, je passe en direct 20 minutes de la M à tous.
très bientôt. Merci. Vas-y Christophe, attendez pour faire plus de questions à la Delta X-ray. Au revoir. Floride 4, Echo X-ray novembre. Allez-y, Echo X-ray novembre. J'ai pas l'antenne adéquate pour venir écouter là. Forcément, on l'entend pas. Puis j'ai du QRM. But there are two stations in the same time. It's not easy. I send the microphone back to you. Oh la vache. Avec 9 et 3 pour 6 et 6 des plans, des stations qui seraient peut-être parties ou on peut avoir un petit café pour le prochain.
pour vous signaler. Si vous n'êtes pas signalé, on vous essayera à chaque pièce de bord. Elle casse bien chez vous toujours. En avant. Alors, ICS4, repasse pas si avec eux. Thank you.